Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Rekai et on se retrouve sur EU4 avec toujours Athée de la Provence, hein. Donc où est-ce qu'on était? Ah oui, on était en pleine collision, là ça commence à craindre sérieusement pour notre tronche. Du coup je disais que j'allais un petit peu siéger Nemours histoire de prendre une province, voilà. C'est un mono-état en plus. La France avec l'Angleterre? T'es en guerre contre qui la France? Ça peut te foutre avec un pays ou pas? Bah si la France pouvait en plus avoir l'avantage de... Dans un an, taper l'Angleterre à nouveau, moi je dis oui, hein. Il part au sud là, l'anglais. Ok, l'Autrichien me verse plus de pognon. C'est pas grave, tant qu'il casse, qu'il crame ses troupes contre moi, moi je dis oui, hein. Une troupe de Liège là. S'il faut... Oh putain là. Oh, il y a du question qui arrive. Oh la vache, des troupes milanaises se font pourrir. C'est beau ça. Ça épuise un peu plus Milan en plus. Bon là ils sont tous à Nice là. Mais attendez, les gars, ça sert à rien d'aller voir des sauts de Fillon à Nice, hein, c'est tout pourri, hein. Ouais, je fais le bail avec l'actualité, c'est pourri. Bon, c'est bon. Ils occupent Nice, oh mon Dieu, ils occupent une province. Bon, niveau manpower, je suis mort. Ouais, j'ai plus de manpower. C'est bon, l'Autriche elle est bien là. Elle est à 3 la suite de guerre. Je vais pas leur faire un truc pour qu'ils arrivent à me casser les pieds. J'ai envie de rien filer moi, ces connards. Ah, putain, l'Autriche pourrait offrir libérer la Bourgogne. Oh! C'est moi qui offre. Est-ce que l'Autriche pourrait pas relâcher un truc? Parce que là, je dis, il y a moyen de relâcher le Brabant. C'est moi qui relâche le Champagne. Avec la défaite, ça craint. Il veut que je libère la Bourgogne? Pour libérer Orléans, merde, ça me fait chier. Je vais pas faire de libération tout de suite, hein. À la limite, si vraiment vous occupez des trucs autrichiens, je veux bien. Mais avant, en attendant, moi je vais essayer de piquer une province là à Nemours. Ah ouais. Du coup, moi ce qu'on va faire, c'est un petit coup de recrutement de mercenaires, histoire de dire hop, on a des troupes en plus. La cité de guerre elle monte, ça craint. C'est de guerre aussi, voilà, ça craint. Ils vont où? Ils vont à Nemours. Je vais baisser un petit peu vitesse d'ailleurs pour gérer cette guerre là. 18 décembre. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... Annuler le recrutement, je sais pas complètement débile non plus. Je vais pas leur filer le moindre point de score de guerre. Ils vont où? Berry. Ils vont où? Berry. 26 décembre. Et on part à Nemours le 3 janvier. Ah, ça craint pour moi là. Et moi, j'ai vraiment la trouille. Faut que je foute le camp. Faut que j'évacue. Putain, je vais évacuer le siège. C'est ça où je perds mes troupes. Petite victoire de merde qui sert absolument à rien. Où sont les autres troupes? Bon les gars, vous me cassez? C'est bon, on se barre. C'est plus que là je suis bien protégé en plus parce que j'ai le fort avant. Tant que j'ai pas pris le fort, c'est bon, je suis pépère.
apprendre la technologie militaire, là, c'est sûr. Oh la vache, ça pète. Si c'est parti, ce français pouvait péter là juste à Nemours, là, histoire que bon bah il tombe sur la tronche des. Ça ferait 12 000 français. Les Lollards là, il poperait où? À Alençon. Mais que les Lollards pop, moi je veux dire, j'ai laissé tomber l'idée de gagner un truc là. La Nemours, s'il vous plaît. On va envoyer des troupes à Nice, histoire de dire hop, c'est bon, on va reprendre Nice. Histoire de pouvoir reprendre le Koring. C'est l'Autrichien là-haut. Putain, et ça, les Anglo qui ramènent leurs troupes là. Ils sont pas venus! Ils sont pas venus sur la forteresse, c'est bizarre ça. Bah venez les gars, venez, je vous attends. Venez me charger, je vous attends. Et après je fais les Anglais qui sont là. Ah ça va pas venir, regardez-moi ça, bizarrement. Regardez-moi ça, bah ils vont se suicider. C'est bien, ils sont 2000, ils viennent se suicider. Les nobles veulent plus de province? Vous voulez quoi comme province? Voilà, encore une victoire. Oh, vous venez? Bah, moi je casse. Regardez, il y a un peu trop d'anglais, je trouve. Les autres là, ouf. Ça tabasse les petits stacks, c'est bien, les gros stacks restent là, les petits stacks se font massacrer petit à petit, ce qui épuise les autres. Mais c'est la bonne strat, hein. Épuiser les petits stacks petit à petit, histoire de gagner du score de guerre et surtout gagner du temps. Et d'user les pays. Le problème c'est que je peux en virer aucun, c'est une coalition. Moi je suis en train de prendre très cher. Je suis à moins 30 là. Dieu de la guerre, moins 30. Faut juste que je crée encore 30 mois. Ça fait 2 ans et demi. Maintenant, j'ai pas encore parlé de forteresse. Hein. Allez, voilà ça. Les troupes. Les Anglais qui font du yo-yo. Ça fait quoi faire. Mais c'est pas grave. Et là, regardez, bim. Une petite armée de bad. J'ai rien perdu. Eux, ils ont perdu 1000 hommes. Ça augmente leur lassitude. C'est pas grand chose. Mais c'est mieux que rien. Surtout que là-haut ça se balade, je sais pas ce que ça fait. Les Autrichiens, ils prennent très cher mes alliés. Hein. Mes alliés quand ça prend cher. Hein. Milan, lui, il se branle les couilles. C'est les Anglais qui foutent la merde. Heureusement, leur trêve avec la France termine dans 2 ans. Si la France est pas trop conne, elle attaquera l'Angleterre. Les Autrichiens qui arrivent, là, ça y est. Oh la branlée qui est dormie. Je vais m'endetter, mais c'est pas grave, je m'en fous. Hein. Tout ce que je veux, moi, c'est vraiment pouvoir. Regardez, les Anglais qui partent. Mais il reste pas là, l'Aragon. T'as juste un régiment, t'as déjà pourrir par l'anglais. Et lui, je sais pas ce qu'il fait. Il ose, il tente. Oh là, ça voit qu'après morceau. Qu'il s'est fait. Piquer un morceau par la Suisse, là, oh, ça fait mal. La Savoie est plus alliée que moi. Bah, c'est pas une mauvaise nouvelle, hein, honnêtement, je veux dire, la Savoie. Hein. Je vais me taper la petite armée qui se trouve ici, là. Ils sont à dire, bah, c'est bon, bah, je me casse. Coucou.
Ils ramènent leurs troupes, les enfoirés. Putain, faut... ils ramènent à... Putain, mais vous êtes né quand là? Le 6 septembre? Bon, j'ai perdu quelques troupes là. Ils viennent siéger. Et l'Autrichien qui arrive là. Faut que l'Autrichien il vienne qu'il explose les petits stacks là. S'il est pas con, il va venir le faire. Bon, il y a une petite armée qui va se faire pourrir par la Castille. C'est bien la Castille, c'est bien. Non, je veux un emprunt. 7% pour les renforts, 7 balles pour les renforts, waouh. Voilà. Les canons sont pas tellement utiles parce que les canons c'est bien pour le faire des sièges, donc un ou deux canons c'est bien, mais bon, pour les batailles comme ça, faut attendre au moins niveau technologique 11 ou 12 pour avoir vraiment du canon qui soit à peu près potable pour les combats. La gestion des provinces, Nice, oh là là. Mais pas juste qu'on se barre là les gars. T'as 7% de guerre. Moins 6. On va attendre un petit peu là. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire là, ces couillons là? Ils vont siéger Nice, c'est bien. Puis bah, moi, dès que je vais les voir approcher, je vais me barrer, hein, c'est tout. Alors, messieurs, bonjour, au revoir. Moi, je vais me tirer. On va prendre l'armée, on va partir. Bien à vous, messieurs. Et là, je suis scandalisé, le français a même pas saisi l'occasion de taper sur l'anglais. Regardez ça, il est pas en guerre contre l'anglais. C'est lamentable, c'est juste pile le bon moment pour le taper dessus. Il est tout pourri, tout affaibli, ses troupes sont en lambeaux en Europe. J'essaie d'assiéger le Nivernais histoire de pouvoir ben, taxer un truc dans la paix. Moins 42, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le rival d'un rival, c'est bon, je suis rapproché de Novgorod. C'est juste une grosse blague, mais bon. Draguignan est occupé, ouais, bah c'est pas grave. 1000 gars. 290. Allez, faut essayer de prendre le Nivernais, histoire que je grasse une province dans le traité de paix là, ce serait beau. Les mecs font une coalition, ils sont largement plus nombreux, j'ai pourri rien dans le traité de paix. Moi, j'ai que c'est beau ça quand même. Les Autrichiens, blam! Regardez-moi le carnage là. Bim. Au revoir les troupes de Nivernais. Nivernais, c'est chez Tonton. Tonton François. Non, non, pas François Hollande. Un autre François. Non, mais l'Autrichien, c'est pas peine de venir, hein. Je vais débrouiller. Je vais te casser, hein. Il vient là, il va venir au sud. Alors que son pays s'est occupé. Enfin, c'est eux qui prennent, ceux qui crament leur manpower à ma place. Moi, je dis pas non, hein. Pas mission au cours. Ambition italienne, c'est-à-dire qu'il faut que je joue quoi? L'Italie est riche et prête à être cueillie. Donc, vous voulez que je m'empare de province en Italie? Faut que j'ai 5 provinces en Italie. Pourquoi pas, j'en ai déjà une. Nevers, là, on va essayer de prendre la ville. On a 7%, allez. Un petit miracle, faudra que le siège tombe rapidos. Ou alors, il faut que je prenne Finistère aussi, bon, c'était beaucoup plus dur la province. France commence à influencer l'Auvergne, c'est même pas étonnant.
829, on a fait tomber les murs. Alors lui, qu'est-ce qu'on veut prendre? Un point stable? Je prends ça, hein. On va pas se mentir. Hein. Allez, fais-moi tomber le siège, fais-moi tomber le siège. Putain, manque d'eau, 42%. On va choper les perceptions corrompues là, hop. 322. Oh, je veux même pas imaginer la site de guerre, je veux même pas regarder les chiffres. Enfin, revenir le Guskan Novgorod, ça sert complètement à rien d'avoir un Guskan Novgorod. C'est juste pour une mission à la con, c'est tout. Ne va tomber. Bon, est-ce que notre épée on peut exiger Nevers. On peut prendre Nevers. Et la thune. Je vais prendre que 7 balles. Ça fait un peu chier ça. Je sais pas, attends, je sais pas, un mois ou deux histoire d'être un peu greedy. On va prendre le Morbihan, enfin la Bretagne. Ah putain, je suis à court d'argent en plus, c'est vrai, ça c'est con. Bon, c'est quoi, on va arrêter les conneries. La tweet, ah là, on prend la. Et voilà, c'est bon, on a pris Nevers. Oh putain! Paye ta coalition! Paye la coalition, comment je l'ai dézingué! Par contre, 14 là, oh la vache! Oh la vache! Sa voix était liée juste avec Luc, c'est con hein, pour elle. Hein. Je suis devenu une grande puissance. Oh, c'est effrayant! C'est parti de Nevers là, putain. Putain, c'est quoi la collection? Y'a une collection qui se reforme contre moi? Florence. Ouais, bah, vu la collection là, et vu ce que je viens de leur mettre, j'avais mis tout à l'heure aux autres, j'ai pas vraiment grand chose à craindre, honnêtement, je vous avoue. Ça 48. Plus d'emprunt remboursé, c'est bon. Et on va. Vu qu'on a 0. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les massacres, que je pas beaucoup d'argent à cause des mercenaires. Et aussi à cause des forteresses. Où sont les forteresses? J'en ai une ici que je peux désarmer. On va désarmer deux forteresses, qui fera un de moins. Accéléter, ils veulent pas parce que ils m'aiment pas. Ils veulent dauphiner. Et bah, c'est quoi faire? On va essayer de monter une relation pour pouvoir passer en Savoie. Ouais, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a de verser les subsides? C'est bien, c'est normal. Nice est décoré, bien. Guerre civile en Écosse. Hein.
36%. Ah la vache, ça triple. On va attendre un petit peu, hein. J'espère qu'il n'y a pas d'autres collections qui va se monter là, parce que. Enfin si, il y en a une, mais j'espère qu'elle n'éclatera pas, parce que ce sera déjà la loose, ce sera chiant. Pourquoi je fais un claim encore sur ces couillons là? Je viens de traiter avec toi. Ah oui, jusqu'en 89. Et toi, je suis en trêve? Non. T'as des potes, ouais. Ouais, c'est que si je gagne la guerre, bah, hein, y a trop de monde qui vient. L'autre, il viendrait pas, elle. Florence Luxienne. Donc j'ai la Suisse, Württemberg, Florence Lucassienne. Bon, lui il fait monter ses trucs là, il risque d'être réélu, enfin il sera réélu d'ailleurs. C'est quoi, c'est vrai que j'explose la Suisse, mais mon problème c'est qu'aucun de mes alliés veut venir parce que je suis l'empereur, j'ai pas le point de faveur. Je suis endetté. Et puis surtout, j'ai pas le point de faveur. Ça, c'est vrai qu'elle est chiante, elle. Et tout seul, le problème, c'est que la Suisse, tout seul, c'est quand même 12 000 hommes à elle seule. Alors, si en plus, il faut après gérer ses potes. Y'a pas un gars avec qui je pourrais me raibocher là? Un pays qui serait. Est-ce que c'est Milan, Naples et Luc? Là, vous avez pas une alliance? Ah, il y a la Savoie, franchement, honnêtement. C'est où la Savoie, cette connerie? Où 89? Eh ben, dis donc, la Savoie. Vassaliser, vrai pas, parce que. Ah, j'ai des princes légitimes. Ah, mon con. Attends, c'est chiant ça. Bon bah vu qu'on est pas en guerre, on va utiliser les bateaux, après tout on va pas se prendre la tête. Allez mais c'est bon, j'ai pas du siège, je sais, je sais, je sais. Est-ce qu'ils vont se déplacer ces couillons? Bon, la Bretagne, je vais faire un claim sur la Bretagne. Histoire de pouvoir faire de claimer définitivement le Finistère et comme ça la prochaine guerre. En 92, hein, donc dans 8 ans, je défonce définitivement la Bretagne. Viens à Nantes. Un Marocain, hein, je fais des claims sur toi. Transforme-moi tout à l'heure des Guignans. Hop, dépêche-toi. Et la France là qui bouge. Je suis quand même passé en grande puissance, c'est quand même assez impressionnant. Bon, le problème c'est le Ming évidemment, et vu le score de taré qu'il a lui. Enfin, le développement de taré qu'il a. Là, ça va, j'ai fait un claim dessus. Savoyenne. L'Icosse de Ragus dissoute. Ah non, ils sont pas fait bouffer par les Ottomans. Non, non, parce que j'ai cru des fois que quand un pays s'est bouffé par les Ottomans, il a tendance à plus dans une ligne commerciale. Putain, mais ils cassent les pieds les nobles, pourquoi est-ce qu'ils veulent ça? Attendez. Noble, vous voulez quoi?
Dites-moi, je suis sûr que c'est parce qu'en fait... Il n'y a que 13% du bled, donc on en veut plus. Et prenez ça. Vous savez quoi, prenez ça. Vous avez tout ce que vous voulez. Certainement merdé. C'est bon? Et je m'arrête là pour aujourd'hui, je pense. Ça sera déjà bien. Hein. Ouais. Bon, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. C'est Kai. Merci d'avoir regardé.